Au début des années 80, lorsque John Batteau expérimente tout son travail sur la couleur, la photographie dite artistique est essentiellement considérée si elle est en noir et blanc. Et John Batteau va être un franc-tireur avec d'autres et il va affirmer que la photographie peut aussi être à l'écoute et promouvoir le travail de la couleur. Et comme John Batteau est d'origine normande puisqu'il est né à Beuzeville, il va venir sur la plage de Deauville et sur la plage de Deauville, il va s'attacher à recomposer de façon souvent abstraite, dans des conditions très rigoureuses, les toiles des parasols de la plage de Deauville. À l'époque, les parasols de Deauville sont en toile de coton, un coton qui est travaillé par la lumière, qui est travaillé par l'air salin. Et ça va permettre à John Batteau de réaliser des compositions qui travaillent autant sur la matière que sur la lumière.